Apparemment les amis, j'ai loupé un Skibidi Toilette Zombie qui est apparemment masterclass, où dedans on va voir une nouvelle forme de Skibidi Toilette Zombie qui ont envahi la planète Terre mon gars. Mais ça veut dire que s'ils envahissent la planète Terre, ça veut dire qu'ils vont vouloir me tuer, ça veut dire que je pourrais plus vous faire des vidéos. Il faut absolument botter les fesses des Skibidi Toilette Zombie. Donc on est parti pour regarder tout ça les amis. On va également regarder la vidéo de Dom Studio. Let's fucking go. On est parti les amis, Skibidi Toilette Zombie Universe 36, on met le pouce bleu et on est parti pour regarder tout ça. Skibidi Toilette, bye bye fuck boom, on était au courant. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce pas ça? Why? Grenade! C'est quoi ça? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wesh! Mais c'est une araignée! C'est quoi ça, mon gars? Toi, t'es mort. Oh là, oh là, oh là, il y a plein de parasites partout, là. What? C'est quoi ce zombie, mon gars? Wesh! Abusé! Mon gars, regardez son gros bras. Allez-vous-en les parasites là. Mec, t'es mal sa tête, il a plus de cheveux. C'est Zinedine Zidane. Eh, tu fais quoi toi? Wesh, il l'a mangé comme si c'était une chips. Eh mon gars, tu t'es cru à l'apéro ou quoi? On va pas faire un barbecue là, il est complètement zinzin dans sa tête. Alright. Oh, Dark Speaker Woman. Wesh. Voilà. Oh mon gars, on est sur Call of Duty là. Attention. Recharge ton arme. Bam bam. Headshot. Headshot. Oh, il est dans Fortnite. Oh, oh, oh. Oh, c'était stylé mon gars. Il a passé à Dark Speaker Woman une arme. Et là il lui passe les recharges. Oh mais mec. Eh hey, mais vous prenez pour James Bond ou quoi là? What? Oh! Ah, c'est une balle qui électrocute le cerveau. Mais mec, c'est quoi ces armes de zinzin là? Attention, ça va exploser! Boum! Bah, eh, franchement, ils sont trop stylés. Ils ont la classe. Non, mais ils sont toujours en train de manger eux. C'est abusé. Oh là! Oh là là là! Doucement! Non, ils pensent que c'est un ennemi! Why? Eh ouais! Parce qu'un Skibidi Toilette zombie reste un zombie! Et un Skibidi Toilette aussi. Là, mon gars, vous êtes dans le caca. La faufure, hein, ils sont trop forts. Hein. Non. Le pauvre caméraman. Oh là, oh là. Oh, il y a un policier. Police nationale, vos papiers, s'il vous plaît. Je vais lui demander ses papiers. Oh. What? Ah, il lui a enlevé le noyau. Je crois qu'il y avait un espèce de noyau. Ah ouais, c'est ça. Oh, il s'est coupé le bras carrément. Mon gars. Regardez, ça lui a cramé le bras, le fait de tenir le noyau dans ses mains. Oui, parce que c'est un noyau qui fait péter les plombs. Pour t'en sortir, tu devras vaincre ta peur. Et si j'ai peur d'esquiver les toilettes, qu'est-ce que je dois faire? What? What? Ils sont dans un temple? Il dit, regarde ça. Attends, mais tous les trucs ont changé, là. Il y a marqué quoi? Je crois qu'il y avait marqué pareil, hein. Voilà. Eh, qu'on est dans Indiana Jones ou quoi là? Oh! Encore ces histoires de noyaux. Oh! Oh! C'est quoi ça? Derrière toi! Ah! C'est quoi ce mec? Oh non, c'est le mec de la peste! Tu te viendras comme moi! 20 ans avec ta face de paix là! Mais lui, un coup de poing dans la tête! What? Il a disparu? C'était un cauchemar? C'était une hallucination? Oh là, j'ai l'impression que c'est le noyau qui fait tout ça là. Jump, vaincre ta peur des hauteurs. Apparemment il doit sauter. Non non, saute pas. Oh, il va te pousser. Fais attention. Oh non. Il s'est fait transformer. Non. Après tu me diras, ça fait un Skibidi Toilette en moi hein. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il a vu? Attends, il a vu quoi? Il y a un truc dans ses nanailles. Qu'est-ce qu'il y a dans ses nanailles? Il y avait rien. Alors, je crois qu'apparemment, il a vu quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Mais à mon avis, c'était lui, les amis. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? C'est un fantôme. Il s'est mis un drap sur la tête. Il fait super flipper en attendant. On enchaîne, les amis, avec le Skibidi Toilette Multiverse numéro 39, partie 4 de Dom Studio. On met le pouce bleu et on est parti pour regarder tout ça. Skibidi Toilette, bada fuck boom. Alors, la dernière fois, je me rappelle qu'il y avait un combat de l'empereur Skibidi Toilette contre lui, justement. Qui s'appelle Rolex Horlogeman. Moi je l'appelle Rolex parce que la dernière fois il avait appelé Rolex. Il va se combattre. Oh là là, avec les mains dans le dos là.
Why? What, c'est quoi? Ouh! Ça, c'est pas Spider-Man! C'est Spider-Horloge-Man! Wesh, il est trop fort! Mon gars, abusé, c'est vraiment une araignée! Voilà! Dans un cocon, mon gars! Tu fais pas le malin, l'empereur, ce qui met les toilettes, hein? Wesh! Wesh! Mais il l'a explosé en mille morceaux, mais il est trop fort! Ah, il est trop cheaté, hein, c'est une dinguerie, hein! Est-ce que je dois vraiment essayer de... Est-ce que je dois vraiment essayer pour ça, pour faire ça? Wesh. Oh! Ah oui, donc là on est sur une autre POV. Les empreintes qui me disent ouais, contre le Dark Speaker Man. Le Dark Speaker Woman. Voilà. Vram! Dans les nanas, tu passeras chez l'opticien, mon gars. Wesh, il est trop fort. Il y a une espèce d'effet trop stylé, là. Comme si on était dans un dessin animé. Enfin, comme si on était dans un animé, genre, c'est trop stylé. Voilà, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Attention, ça a explosé, mon gars. Du PQ, ça explose. Oh, lui, je crois que c'est... Lui, c'est l'un des plus forts, lui. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Attention, ça va faire boum! Ah oui, quand même! Ah ouais, ça fait quand même beaucoup de dégâts, mon gars! C'est abusé! Oh! Tan 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 tan! C'est James Bond! Voilà! Wesh! What? Ils sont téléportés sur un véhicule! Mais mec, mais c'est trop stylé! Wesh! Mais mec! Abusé! Wesh! Ah oui, après l'empereur est quand même assez fort, hein. Mais attends, ils sont dans la ville, là. Ils sont à New York. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une hallucination? Wesh. Ouh. Oh, il lui a coupé le bras. Pas de bras, pas de chocolat, mon gars. Patate de forain. C'est quoi ce combat de zinzin, là? What? Voilà, y'en a un qui pète un plomb là! Allez, ma petite TV Woman! Avec ses gros nanaïs rouges là! Et tu peux pas aider là? Oh là, derrière toi là, y'a Hulk! Wesh! Eh, on dirait pas Hulk un peu en vert comme ça? Voilà, va-t'en! Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, y'a Drill Woman aussi. Attends, y'a Dark Speaker Woman, y'a TV Woman, y'a Drill Woman. Voilà, serrez-vous la pence! Serre-moi la pienso! Ok. Ah, en fait, il recharge comme ça! En fait, il creuse dans le sol parce que c'est un drillman. Il creuse dans... Oh, elle l'a soigné. Il creuse dans le sol comme ça. Et après, c'est une fois que c'est chargé, boum! William! Comment ça, William? Éloignez-vous de lui! Ah oui, William, mon gars... Oh, lui, il recule pas. Billy ne laissera pas ses amis mourir. Eh, hey, calme-toi, Hulk, là. Tu te prends pour qui, là? Là, tu vas te faire défoncer. Je vous maudis tous. Vous n'aurez jamais dû exister. Toi, tueur d'innocents. Tueur d'innocents? Mais c'est une blague, innocent. C'est une guerre. On a perdu toute notre race. Et on doit accepter ça. Mais mec, c'est toi qui as tué des innocents. Une réponse inattendue d'une IA. Vous pensez que le simple fait d'être en guerre vous donne la permission de tuer des enfants? Des enfants? Mais c'est les skivis des toilettes qui nous ont attaqués. Il est complètement zinzin dans sa tête. Enfants? Mais qu'est-ce que tu parles? On n'a jamais tué des enfants. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans l'épisode 28, c'était quoi? Ne l'écoute pas. Il ment. Il gagne plus de temps pour te distraire. Attends, il y a eu un petit flashback dans l'épisode 28, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus. S'il y a des gens qui peuvent me l'expliquer en commentaire, les amis, je ne vais même pas essayer, quoi qu'il en soit. Oh. What? Il a arrêté ça? Pourquoi? C'était une explosion? Okay. Ouais, ouais, ça veut dire qu'elle a, elle a arrêté le temps, c'est ça? Oh! Le cube magique! Eux, ils sont mal en point, hein.
Les empereurs Skibidi, mon gars, ils sont mal en point de fou. Hein. What? Billy, go! C'est fini pour moi! Sauve-toi! Billy! Restera avec ses amis! Oh, c'est triste! Je les aime pas, mais c'est quand même triste! Ils vont mourir ensemble! Bon, moi, ça fait des empereurs en moins, ça me va, hein, parce que c'est bon. Oh, what? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Who's there? Qui est là? Hein? Hein? What? Mais c'est Dom Studio! Attends, mais oui, on est d'accord, c'est la photo de profil de Dom... Attends, mais quoi? Mais oui, mais c'est littéralement Dom Studio, mais pourquoi il y a Dom Studio qui vient dans ces épisodes-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va arrêter la guerre? Attends, me dis pas que Dom Studio, il est pour les deux empereurs Skibidi-Twilight, là! Non, 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 pour moi, ils doivent mourir, hein, il est complètement zinzin dans sa tête, Dom Studio! Bon, mes amis, ça va être la fin de cette vidéo! Eh ben écoutez, le Skibidi-Twilight zombie était vraiment incroyable, avec l'espèce de fantôme qui fait super peur, et l'épisode de Dom Studio est également masterclass. Il y a même Dom Studio, mon gars, il est venu à la fin, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement zinzin, lui! En attendant, j'espère que Dom Studio n'est pas pour les empereurs Skibidi-Twilight, parce que sinon, on est vraiment dans le caca, les amis. Dom Studio, il a tous les pouvoirs vu que c'est lui qui a créé ça. Bon, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si tu t'ennuies, va voir une note de mes vidéos totalement masterclass juste ici, mon petit kiki. Nous, on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. C'était Wissam, gros bisous à la prochaine. Ciao, ciao.